Coucou, je vous retrouve pour une petite ouverture de courrier. Il y avait une petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Et je voulais surtout aussi, enfin surtout, non pas surtout, mais je voulais aussi vous montrer, j'ai reçu, je crois que c'est mon Dyes Lapin, hein. Il y a les oreilles et tout, pour faire des nœuds lapins. Donc je vais ouvrir le courrier et après je vous fais une petite vidéo de découverte de ce Dyes-là que j'attendais, mais je ne me rappelais plus si je l'avais commandé ou pas finalement. Enfin, en fait, je suis perdue. Je l'ai reçu. Je sais que je l'avais vu sur Ali, que je l'avais mis dans mon panier. Je suis pas sûre de l'avoir commandé parce que je retrouve pas dans mon historique. Et je me demande si c'est pas quelqu'un qui me l'a fait envoyer en fait. Donc, je sais pas. Si quelqu'un passe par là, si vous m'avez fait envoyer via AliExpress ce Dice, ben, un grand, grand merci. Parce que je ne suis pas sûre de l'avoir commandé. Voilà, puisque AliExpress, vous savez, des fois PayPal et tout, ils prennent pas. Et dans mon historique, bah, je ne retrouve pas. Parce que je crois que j'avais été aussi sur mon téléphone. Mais c'est, enfin, c'est pas le même compte que sur mon ordi. Enfin bon, bref, c'est. Je suis perdue. Enfin, je l'ai. Donc si quelqu'un se reconnaît, faites-vous savoir. Faites-vous savoir. Faites-vous connaître. Et dites-le moi parce que, bah, que je vous remercie quand même, hein. Donc, voilà. Et sinon, j'ai reçu une grande enveloppe comme ça, hop, avec tout, grande enveloppe avec des jolis petits personnages. Je me rappelle plus comment il s'appelle lui, mais je crois que c'est dans avec Rilakkuma. Et là, par contre, il devait y avoir un truc et je crois qu'on me l'a volé. Voilà, vous voyez, là il y a un petit truc comme s'il y avait quelque chose de collé, mais il n'y a plus. Donc super. Ou alors ça s'est peut-être pris quelque part, ça s'est arraché. Ouh là là. Alors, qu'y a-t-il? Des bouts de papier. Alors. Alors, je cherche la carte, elle est là. Ah, là, il devait y avoir quelque chose. Ah, ça devait être ça. Il y a une carte là. Et ça devait être collé là, je pense. Parce que j'ai retrouvé un. Ah non, elle est peut-être dans l'autre sens. Ah, attendez, que je voie. Non, ça devait être dans l'autre sens, je pense. Ouais, on va dire que c'était comme ça. J'ai recollé comme ça. J'espère que c'était comme ça. Alors, coucou, 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 coucou. J'espère que tu vas bien, Miss Scrap. Ok. J'ai 10 ans. Ah oui! Moi, j'avais pas fait attention. Hein. Je pensais pas que tu avais 10 ans. Personne en or. J'espère que tous ces scrabinules vont te plaire. Gros bisous, Inès. On va découvrir ce que tu m'as mis dedans. Voilà. Bah écoute, je pensais. Enfin, je vois tes commentaires. Et je pensais vraiment pas que t'avais 10 ans. Je pensais que bah, t'étais une adulte. Enfin, voilà. J'ai pas fait attention. Donc, dedans, j'ai eu le droit à du papier vert et rose. Moi, j'aime bien. Vous savez, en ce moment, le rose et le vert, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est parfait. Des petits pois, ça c'est sympa aussi. Et des petites hirondelles, c'est mignon comme tout. Voilà. Mon Instagram, mon adresse mail, mon YouTube. Alors YouTube c'est Miss Scrap et Instagram c'est InLag95. Voilà. Si vous voulez aller voir son YouTube, son Instagram, etc. Là, du papier rose saumoné, ça c'est sympa aussi. Ça c'est quoi? C'est des petits rennes. Des petits. Ouais, on dirait des petits bouquetins, des petits animaux d'hiver de la montagne. Voilà, donc là, un morceau de carton. Ici, un morceau de papier pour faire des découpes, ça c'est sympa. Là, des restes de papier. Voilà. Je vous montre quand même derrière. Bon, c'est dommage, ça a été coupé.
là une petite feuille de marbre, on va dire, et là des petites fleurs, et derrière des plumes de paon, et là des petites fleurs sur un fond bleu. Voilà. Et il y a également une petite pochette dans laquelle je vais découvrir des choses. Alors. Alors, on a une découpe comme ça. Une découpe comme ça. Ça, je sais pas trop ce que je vais en faire, hein, toute honnêteté. Des choses comme ça. Hop. C'est joli ça. Des petites feuilles. Celui-là est joli, le papier. Il est sympa. Un hexagone, je crois que ça s'appelle comme ça. Des cactus. Des papillons. Un morceau. Et comme ça, celui-là aussi devait être très très joli en grand. Voilà. Bon, je pense pas que je vais utiliser. Puis là, il y a des morceaux comme ça. Je pense pas que je vais utiliser tout, hein, franchement. Mais il y a certains papiers qui sont quand même bien bien cool. Hein. Celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Bah oui, il y a du vert, du foil, des fleurs. C'est mignon comme tout. Bah écoute, ton petit courrier m'a fait bien plaisir. Les petits stickers qu'il y avait derrière ton enveloppe, c'était trop mignon. Un grand grand merci. Bah écoute, je verrai plus de la même façon tes commentaires. Parce que franchement, je pensais, ou peut-être que tu me l'as dit et j'ai zappé. Mais je me souvenais pas que tu étais jeune. Voilà, vraiment très très jeune, hein, 10 ans, quand même jeune. Et je vais aller voir ta chaîne YouTube parce que je suis pas sûre d'avoir été voir en fait. Je peux pas aller voir les chaînes de tout le monde, hein, de tous mes abonnés. Je sais pas, ceux qui me mettent des commentaires, je sais pas ceux qui ont des chaînes ou pas. Je vais aller voir. Je vais aller voir direct maintenant. Bah ouais. Alors, hop. Je vais regarder si j'étais déjà abonnée ou pas. Si je suis pas abonnée, je vais m'abonner tout de suite. Comme ça sera fait. Alors, tu m'as dit sur ton petit papier que j'ai mis là. Miss Scrap. Alors, Miss. M-I-2-S. Scrap. Miss Scrap. Et eh ben, je sais pas où elle est. Où t'es? Il y a Miss en Scrap. Miss Scrap. Le scrap de Miss Miss. Ah ben, je te trouve pas. Je ne te trouve pas. Bon, bah, il va falloir que je fasse des recherches ou que je te cherche dans mes commentaires. Ouais, bon, bah, je vais faire mes petites recherches et je verrai. Je vais regarder sur Instagram. Alors, du coup, Instagram, c'est sur le téléphone. Je vais regarder, hein, direct. Comme ça, je vous montre et... Alors, hop. Alors, Instagram. Inlag. I-N. Alors, si je l'écris mal déjà, ça va le faire. I-N-L-A-G. Et voilà. Ah oui, t'es là. Alors, non. Alors, je crois que je dois confondre avec quelqu'un. Bon, j'étais pas abonnée. Clac, Insta, je m'abonne. Hop. Non, bah, je pense pas que j'étais abonnée à toi. Bah, maintenant je le suis. Il y a de belles assiettes. il y a des trucs sympas. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Alors, t'as marqué ton adresse mail, mais finalement ton adresse mail elle est pas complète parce que il y a marqué inlag95 et normalement il y a arrobase nanana quelque chose.com. Enfin bon, et là il n'y a pas.
Donc faudra que tu me l'ordonnes. Et voilà, je vais vous laisser ici. Je vais ranger tout ça. Et je vais faire un petit rangement à la coco. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. En tout cas, Inès. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, Inès. Parce qu'il y a un I. Et des fois, je me dis peut-être que je me trompe de prénom. Oui, c'est ça, Inès. Je ne suis pas trompée. Entre les pseudos, les prénoms, les machins, des fois, on s'y perd. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Je vous laisse et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye!